Là, je vais essayer de refaire ma story pour la 10e fois parce qu'avec Maya et Fanny c'est très compliqué là. On s'entend plus du tout, c'est la guerre, on s'est battu. C'est grave, je suis en fou, c'est c'est pas vrai, on s'est pas du tout battu, on rigole. Puis tout à l'heure on a un fou rire, j'essaie de parler, on n'arrive pas, je fais que d'effacer les stories. Je disais que j'allais vous faire des petites stories parce que c'est vrai que j'ai pas énormément snappé. Tout simplement parce que la Foundation l'année dernière, franchement, c'était. On a beaucoup filmé, il y avait beaucoup de monde qui filmait. Les filles comme moi filmaient beaucoup, faisaient beaucoup de photos et tout. Et cette année, moi, c'est pas, enfin, j'ai pas de réflexe de faire des photos. Donc pour toutes les filles qui m'ont demandé les références de mes tenues, etc., je vais vous les donner, plus tard. Je vais vous montrer tout ce que j'avais commandé, ce que je n'ai pas mis et vous donner les rêves des tenues que vous m'avez demandé. J'ai pas fait de photos. Franchement, j'ai pas eu de réflexe du tout. J'ai vraiment profité cette année de l'événement plutôt que de prendre tout le temps mon téléphone. Chose qui fait du bien aussi. Fanny, t'es énervée ? Fanny, t'es comme ton fils avec les valises. Sur la valise ? Oui, oui, oui. Mais je suis bien au moins, je me repose. Je suis avec Maya, Polly et Fanny. Jenny, elle est partie ce matin plus tôt, mais elle est partie de Lisbonne. Et là, nous, du coup, on est sur le retour. Récupérer. Fanny, il faut la récupérer. Fanny, il faut la récupérer. Fanny, il se passe quelque chose là. Le bordel, toujours le bordel. Je la vois préparer un truc. On la connaît celle-là. On va vers où? On va vers où? Mel nous mène. J'ai réussi à tourner. T'es ouf. T'es ouf. Elle a fait la merde dans les aéroports, elle. Toute sa vie. T'as la technique. T'as la technique. Vas-y. Regarde-la comme ça. Non, non, rien. T'es chiante. Attention. Pas du tout en fait. Pas du tout les gars. J'ai même pas bu, j'ai bu de l'eau hier. Hier j'ai bu de l'eau donc pour le coup pas du tout. J'ai juste la voix cassée, je suis exténuée. En plus je suis tombée malade donc j'ai hyper mal à la gorge. Et j'ai le nez qui coule. Voilà. Donc si vous voulez savoir autre chose, je me mouche à peu près 7 fois toutes les 2 minutes. Et voilà. Mais pas du tout. Un verre si je suis en train de boire de l'alcool dedans. C'est du jus de pomme. C'est du jus de pomme qui a l'intérieur de mon verre. Maya, hier, t'as bu quoi? Du coca. Merci. Elle a bu du coca au festival. Et d'ailleurs, pour vous expliquer, c'est pas de l'eau dans les verres. On vous donne des bouteilles sans les bouchons. Hier, t'as pris plein de bouteilles sans bouchons. Quatre, t'en as fait tomber une. Quatre et t'en as fait tomber une. Voilà, donc au final, on avait trois bouteilles d'eau parce qu'ils te donnent pas les bouchons, etc. Donc s'il vous plaît, les messieurs et mesdames, je sais tout. On voit bien ce qu'il y a dans ton verre. Déjà, c'était du jus de pomme, d'accord. Si on doit vous demander autorisation pour du jus de pomme, pour prendre un verre ou une canette, il n'y a pas de canette, on est là-bas. Mais si, enfin, vraiment, les gars, s'il vous plaît. Voilà, les deux premiers soirs, j'ai teasé. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je pense que je vous l'ai déjà dit, j'ai pas de problème avec ce que je fais. Et je pense que vous avez vu, et je pense que vous avez bien vu que j'en ai vraiment rien à cirer, en fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous forcez comme ça, en fait. C'est grave, ça. Juste parce que, ah, peut-être c'est les lunettes de soleil. Bah, attendez, je les enlève. Tout ça pour dire qu'il faut calmer son cœur. Je vais pas vous raconter un truc et deux minutes plus tard vous poster un truc qui est tout le contraire. D'accord, Maya, regardez, t'es fatiguée, non? Je suis calme. Et t'as dormi plus que moi? Oui. Moi j'ai dormi 2 heures. C'est bon? Je dois vous donner mon quota de sommeil ces 4 derniers jours. Je sais pas. Il y a peut-être une autre justification dont vous avez besoin, je ne sais pas. On n'a pas de problème avec ce qu'on fait en fait. Je le montre pas parce que sur mes snaps je le mets pas. Je fume des puffs quand je suis en soirée. Ça m'arrive la chicha. Pourtant je vous le montre jamais. D'accord? J'ai pas de problème avec ça. En fait, si demain je prends de la vodka Red Bull, je vais prendre de la vodka Red Bull. Hier, j'étais sous jus de pomme. Si ça vous pose un problème, il n'y a pas de soucis. Voilà.
parce que je pense que ça vous intéresse, mais caché pour l'allergie contre le pollen, c'est cela, la marque. Voilà, comme ça vous le savez. Et le papier toilette, je prends. Comment ça s'appelle celui avec le chien dessus là. Tu vois, super doux là. Tu vois. Comment ça s'appelle Lotus. C'est Lotus. C'était intense. Rien que pour Aya, j'ai cassé ma voix le premier jour. J'ai tout donné pour Aya. Berna, pareil, hein, on a tout donné Berna. Hey, 50 hier, trop bien. Franchement, David, hyper contente. Incroyable. Davido, incroyable. On voulait même plus partir. Mais comme il était sur la fin et qu'on n'avait pas se taper tout le monde pour rentrer, on a fait un effort, on est rentré un peu plus tôt. Mais quoi, tous les jours c'était le feu. Tous les jours c'était le feu, c'était trop intense. Les deux premiers jours, ouais, c'est bien. On fait la fiesta, le dernier jour, j'étais sur les genoux. J'étais assise dans le sable. J'étais fatiguée, j'ai mangé assise dans le sable, pour vous dire. Je me suis assise au milieu là-bas et j'ai mangé par terre. Tellement j'étais fatiguée, j'avais mal aux jambes. T'as mal aux jambes, tu marches dans du sable, tu danses dans le sable. T'es KO, t'as des courbatures. Moi j'ai mal au dos là. Ils me disent, bois de l'alcool. Troisième jour, ils me disent, je meurs ou quoi? Déjà, j'ai pas de sommeil. J'ai pas le sommeil correct là. Comment je vais boire? J'ai trop mal à la gorge. À la rhinoplastie. J'ai fait rentrer toute la semaine.